suite, j'accueille à nouveau Dennis Cooper et son producteur, enfin l'un des producteurs du film, qui est plus connu comme réalisateur, Christophe Honoré. Juste là. Oh, alors ce film, on va peut-être commencer par passer la, donner la parole à Denis. Comment est-ce que vous avez eu envie de faire ce projet? D'où est-ce que c'est né, Denis? How did it all get started? How did you feel the need to do that film? Did you take the light? It started about 8 years ago. Because I had always wanted to make a porn movie, and someone in the porn industry said they could do it, they could make the film. So I wrote a porn movie, and it was too weird, and they wouldn't make it, so it died. And then many years later, this German producer Jürgen Brunning, who produced the film, heard about this and wrote to me and said, "I heard about this film. I'd like to see it." So I was working with Zach Farley on the projects, and donc ça a commencé il y a 8 ans quand je voulais faire un film porno, et du coup j'ai écrit ce scénario de film porno que je n'ai pas réussi à vendre. So I was working with Zach Farley on other projects, and I asked him if he would be interested in working on it, and he said yes, so we went back and rewrote the whole script, because it wasn't very good, and we sent it to the producer, and he said, yeah, he wanted to make it, so, and then we took the porn out, most of it, the porn out of the movie, but the scenes are all, originally all the ones in the movie, were originally porn, had porn in them. Donc avec Zach Farley, on a collaboré ensemble pour réécrire le scénario, puisqu'il y avait des morceaux qui ne nous plaisaient pas. Ensuite, on a eu l'accord pour produire le film, et nous avons enlevé les morceaux qui étaient totalement porno. Chaque scène reste celui d'origine et avec. Et pourquoi avoir choisi de découper le film en 5 parties comme ça? Why did you choose to cut the film in 5 parts? Well, originally when it was a porn movie, it was based on the kind of the way porn movies used to be structured back when there were porn movies. And there was usually 5 scenes. Bon, ça a suivi la structure des films porno classiques où il y a généralement 5 scènes. So we kept that was why it was in 5, and we thought it would be interesting to do it without the porn also in that structure, so that it was like a porn movie that had no porn in it. So. Donc on a conservé la structure du porno sans le porno. Un porno sans sexe. C'est la parole à Christophe Honoré. Quel a été votre rôle sur ce film? À quel moment est-ce que vous vous êtes impliqué? Je ne suis pas arrivé au moment où il a décidé d'enlever le porno. Je ne suis pas responsable de cette censure. Nous, on se connaissait en fait avec Denis. C'est quand il a commencé à me dire qu'il avait ce projet de film et qu'il voulait le tourner en France. Moi, je venais de faire... je crois que c'était au moment où je faisais Homme au bain, où Denis jouait d'ailleurs. Et donc je lui ai dit, bah, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. Et puis bah, petit à petit, en fait, via mon assistant Sébastien Lévy, on a pas mal aidé au casting, en fait, à l'organisation du casting et au financement du casting. Et puis après, j'ai essayé d'accompagner un peu Zach et Denis face à leur producteur allemand.
soit parce qu'il est allemand que du coup je vais mettre une menace sur cet homme, mais quand même. Et pour essayer de les protéger et puis de faire en sorte de pouvoir de temps en temps arranger un peu les choses. Et donc voilà, donc c'était un rôle très nouveau pour moi, parce que c'est la première fois en fait que je participe à la production d'un film. Et sur le fond, est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce qu'il y a eu des réécritures? Enfin, est-ce qu'il y a eu des échanges de conseils? Parce que vous êtes un réalisateur expérimenté, c'était le premier film de Nice. Est-ce qu'il y a eu cette forme d'échange? Non, je me le serais pas permis, très honnêtement. Et moi, étant très admirateur de la littérature de Denis, j'ai retrouvé tout de suite, en fait, quand j'ai vu le scénario, des éléments que j'aimais, à la fois des éléments formels et des éléments de thème que j'aimais beaucoup dans les œuvres de Denis Cooper. Donc, très honnêtement, je pense que je n'ai eu aucune influence sur ce qu'ils ont fait. On en a parlé un peu au montage. Et je suis venu voir des montages, on en discutait un petit peu, mais vraiment juste voilà, l'histoire de leur renvoyer la balle. Quoi. Pour vous, quelle est la force du projet? Qu'est-ce qui a été l'élément que... Moi, ce que j'adore dans ce film, alors après, pour toi, je peux dire j'adore, parce qu'on est réalisateur de vos films, c'est un peu nul de dire voilà, ce qui est bien dans mon film. Non, ce que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup dans ce film, c'est son caractère mutant. C'est-à-dire que je crois que la grande force en fait de ce film-là, et ce qui en fait, alors forcément c'est un film de recherche, hein, on est dans un film classique, c'est vraiment un film qui essaye comme ça de naviguer sur des terrains assez assez peu explorés. Il y a trois formes pour moi de mutation forte, déjà avec le porno, de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un film porno sans porno, ce qui déjà pour moi est un projet cinématographique intéressant. Après sur le film de genre, on voit bien en fait que, et ça on le retrouve dans la littérature de Denis, c'est-à-dire qu'à aucun moment il veut être du côté du cinéma légitime, j'allais dire, il veut être vraiment du côté de la série B, d'où les intrusions dans le fantastique, une espèce d'esthétique internet un peu sur la dernière partie, le concert, les clips vidéo, c'est-à-dire qu'il va toujours interroger des formes cinématographiques qui sont plutôt des formes a priori peu considérées par le cinéma. Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez insensé, mais qui vient vraiment de l'attelage entre Zach Farley et Denis Cooper, qui est... parce que très honnêtement, c'est des personnages américains mis dans la campagne française, les rues parisiennes, etc. Puis bah, ça frictionne, quoi, ça marche pas. Enfin, il y a un truc où cette espèce de greffe entre le français et un univers qui est absolument américain, crée pour moi vraiment des choses très inhabituelles en fait. Et le fait de choisir de jeunes acteurs, la plupart ne sont pas acteurs, hein, d'ailleurs ça a été un casting sauvage, de les faire parler en anglais et puis d'assumer justement cette espèce d'incompétence en fait qu'ils ont à s'exprimer parfois en anglais, etc. Je trouve que ça donne aux formes, au film en fait une forme qui est vraiment inédite, vraiment peu confortable, mais qui... moi, je suis vraiment très très fier de pouvoir avoir aidé un petit peu à l'émergence de ce projet. Et puis surtout, je sais très très bien que ça va entraîner en fait une carrière au cinéma pour Denis Cooper et Zach Farley. Bon, déjà, ils sont en train de préparer un prochain film. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, pour tous les gens, j'imagine qu'il y a des gens qui sont venus aussi voir le film parce qu'ils ont lu les romans de Denis. Quand on a découvert Closer, etc., le fait déjà qu'il ait cette référence à Bresson, enfin, on voit bien que Denis est très très influencé par le cinéma, et donc je ne suis pas surpris qu'il vienne mettre le bazar dans le cinéma, et je trouve ça plutôt réjouissant. Merci. On va continuer. Juste, je voulais savoir aussi, le film a été tourné... en France, ou est-ce que ça a été tourné? Where is it, the film being shot? Where was the film shot? Yes. I think Paris, most of it.
almost all of it except the beach, the last scene. That was, and when the third scene when they're in the forest, that's in Le Mans. But other than that, it was all shot in apartments and clubs, and the snow scene was shot at the Centre Recollet at the Café A. There's a big chapel there at Café A, and that's where we shot the snow. Vous avez tourné principalement à Paris, dans un café, notamment pour la scène avec la neige. Au Recollet, oui. C'était aussi tourné en Bretagne, au Du Balos, au Breton, donc en quoi du Thème. En Bretagne, et puis aussi. Ah non, il est pas mal, vous voyez. D'accord. Normandie, Bretagne. C'est-à-dire que en France, quoi. Non, on a quand même. Et Dennis. You have been writing for over 20 years, I think, and more than that, 25? Since I was 15. Oh, okay. And let's just keep it mysterious. And is it? Have you been tempted to do films before? Vous étiez tenté de faire des films maintenant? Why now? Well, I wanted to make that part, really. But I've collaborated with directors before. I wrote scripts for them, but they have never got made. Et il a collaboré avec d'autres réalisateurs. But they never got made. I don't really have a visual eye. I mean, Zach is the director. He visualized the film. Il a pas vraiment un œil visuel, enfin un regard visuel. C'est plus Zach Farley qui réagit en termes d'image. I mean, we talk about everything, and it's all done together. But he actually shoots it because I just don't. So it's always been a problem because I really wouldn't know how to direct a movie at all. It's not my gift. En fait, ils discutent tous les deux, mais après c'est vraiment Zach qui prend les choses en main sur le tournage et il ne s'en sentirait pas capable de le faire lui-même. Yes, but your films were adapted on screen before, right? There was one or two. There's been a number of quelques adaptations de ces livres. Yeah, there was a very, 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 very bad film based on Frisk. Il y a eu un très, 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 très mauvais film sur Frisk. And there were some short films and other films, but this is just. I think Frisk was the only feature film. Ah oui, Frisk était le seul film long métrage. J'imagine que dans le public, il y a pas mal de gens qui ont des interrogations sur ce film. C'est hors norme, donc n'hésitez pas à profiter de la présence de nos invités. Voilà, au fond. Bonsoir. J'imagine que c'est un peu difficile de parler de ce film. Alors moi j'en parle en tant que spectateur ouvert, mais qui ne connaissait pas du tout les univers particuliers des gens qui sont là. C'est vrai que la salle était très pleine, là elle est un peu plus vide. Je le dis parce que c'est un film qui déstabilise beaucoup, je pense que c'est important de le dire, enfin, moi je le dis. En fait, moi j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il y a tout dans ce film pour être dérangé, déstabilisé, voilà. Bon, alors, je n'ai pas de questions, j'ai presque rien à en dire, à part ce que je crois en avoir compris. Enfin, ce n'est pas très intéressant, mais j'avais des mots qui me venaient en regardant ces cinq scènes, finalement, que je trouve très liées. C'était les mots possession, violation, infiltration du corps de l'autre. Et voilà, donc, tout ce que j'ai à en dire, c'est que pour moi, c'est un peu comment accéder au corps de l'autre quand, dans un monde futuriste ou déglingué, les relations humaines, amoureuses et sexuelles deviennent impossible par la voie normale. Voilà. Donc, cinq petites histoires qui auraient pu être racontées banalement deviennent mystérieuses, incompréhensibles, choquantes, agaçantes. Voilà. Donc, mais pour moi, le point commun, c'est vraiment comment on fait quand on ne peut plus simplement aimer ou faire l'amour avec l'autre. Voilà. Ma modeste compréhension de la chose, ça, j'ai beaucoup apprécié. Oh, thank you. Yeah, I mean, from what I understand, that was very, very, yes. The confusion, the
longing to connect through sex and then not being able to like being afraid or confused or subconscious or sometimes it's in that one scene it's politics that keeps them sort of yeah, so that's thank you. Le film interroge vraiment les différentes façons de se connecter à travers le sexe, et dans l'une d'elles, c'est la politique. Voilà, il est très voilà, content de votre remarque, mais j'avoue que c'était un peu compliqué, de, comme vous avez eu un discours très dense, de le condenser et de le traduire à l'histoire. D'autres questions ? Oui, je voulais savoir si, maintenant que vous avez fait ce film-là, est-ce que finalement, il aurait fonctionné si ça avait été donc, la version porn ? Now that you make this movie, do you think it worked if it has been the porn version of the movie? C'est pas la traduction. No, I mean that's why we didn't do it. We were when Jürgen Bruning said yes, it was still a porn movie. But when we were developing it, we have this idea that we could have the porn and the porn would not be. It would not be sexy. It would be about feelings. It was just not going to work. Also, a lot of the performers wouldn't do it, so that was part of it too. But we left a little bit of sex in most of the scenes just to show that it, you know, that it was authentic, that they really didn't have erections and they did do this. But unfortunately, I don't think it would work. I think porn is too. It eats everything. You can't do. I don't think you can make it be subtle. Yeah. Ils ont beaucoup posé la question en fait du porno. Est-ce qu'ils allaient le faire sous cette forme de film porno? Même quand le producteur Jürgen Bruning a accepté, c'était encore sur cette idée. Mais rapidement, en fait, ils ont décidé que c'était pas possible parce qu'ils voulaient envisager de faire quelque chose qui soit sexy, mais qui ça se soit pas absorbé par le dispositif pornographique, mais déjà ils se seraient rencontrés des problèmes avec les acteurs qui n'auraient pas accepté de le faire, et rapidement ils ont compris que le porno allait absorber tout. Ils ont gardé quand même des éléments de pornographie pour qu'on voit bien que c'était authentique et que c'était pas une question de censure, mais qu'ils ne pouvaient pas laisser cette forme de façon voilà, permanente. D'autres réactions, d'autres questions. Justement, vous avez parlé des comédiens. You talked about the actors. How did you cast them? Was it hard to convince people that you had in mind to find the right ones for the roles? No, it wasn't hard. It was cast by Sebastian Levy, who you normally cast for Christoph. And he just went around to clubs late at night and on the metro and just said, there's this strange movie and it has sex in it, do you want to audition? So we didn't want actors, we didn't want to work with anyone who had acting experience. So they just came and we didn't have like types, we didn't say like we want this character to look this way or that way, or there's no, really no race or age or anything. And then when we found someone we really liked, we changed. We actually rewrote the script for that person. So none of them had acting experience. A number of them didn't speak English very well, which we were interested in because they knew what they were supposed to like convey, but they didn't always understand what they were saying. And we wanted that. We wanted there to be this kind of strange, awkwardness in their performances, like they were a little. Outside of what was going on, so, but no, it was actually pretty easy, other than a couple of roles. The singer, the guy who in the club with the music, who gets attacked, that was really hard, because no one wanted to do that. But we found the dancer; he's a dancer, and he agreed to do it. Tout résumé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, mais. Dans la dernière scène, la question des comédiens, ils ont eu beaucoup de mal à trouver la personne dans le concert, pardon, qui se fait attaquer.
Après, les autres comédiens étaient essentiellement non professionnels. Et voilà, donc ils se sont adaptés. Ils ont adapté aussi les personnages aux acteurs qu'ils rencontraient et qui avaient envie de le faire. Et voilà, ça a été un processus complexe. Raphaël Bouvet, il est connu. Qui ? Raphaël Bouvet. Ah oui. Pour la plupart. Very small role. Other questions? Bonsoir. Je voulais savoir quel était le morceau qui était joué pendant le concert. Également, en combien de temps vous l'avez tourné finalement cette scène-là? What's the name of the song during the concert and how long did it take to shoot the scene? The track is it's Pita is the name of the artist, and it's from an album that was called Get Out. It was from like 10 years ago, 12 years ago. And every track is called Get Out, but it's, if you want to find it, it's the third track on the album. The club scene was pretty quick. We had 2 days. The guy who was attacked, the speaker, he got injured before the he broke his shoulder. That's why, if you notice, he has a. And so we had to be very careful. So we were going to shoot it a lot, but we shot it, I think, 3 times. The attack 3 times. Twice with the audience there and once without. But it was quick. That was the quickest scene. It was just 2 days. Oui, finalement, ils l'ont tourné très rapidement. Il y a un des acteurs qui avait un accident à l'épaule et il ne pouvait pas le faire beaucoup, la scène de l'attaque, donc ça a été très rapide. Christophe, est-ce que vous êtes intervenu sur le tournage? Non. Non, pas du tout. Juste avant et après, alors. Ouais, je suis juste venu mal jouer à un moment dans une scène, et ce qui permettait de venir sur le plateau. Mais maintenant, je ne suis pas allé sur le tournage après. Je pense, après, un des ingénieurs du son, c'est un ingénieur du son qui travaille avec moi, etc. Donc dans l'équipe en fait technique, il y avait pas mal de gens qui travaillent sur. Il y a pas mal de gens qui travaillent habituellement en fait avec moi et qui. Vous avez fait un peu profiter Denise de votre. Bah, c'est eux surtout qui ont accepté quoi, mais oui c'était pas parce que c'était vraiment un tournage, même si le film au bout du compte en fait se présente sur une durée de long métrage, les conditions de tournage étaient vraiment des conditions de court métrage. Donc, il fallait trouver effectivement des gens. Vous avez essayé de chercher des financements de plus classiques, c'était vraiment. Mais non, c'était pas possible parce que c'était parce qu'il y avait déjà ce producteur allemand, en fait. Et puis c'était en anglais, et donc tout ce qui est ministère de la culture, etc., si c'est pas en français, en fait, vous pouvez pas obtenir d'aide. Et voilà, non, il n'y avait pas beaucoup de guichets où aller frapper, en fait, pour avoir de l'argent, quoi. C'était que de l'argent privé. Et après, pour la diffusion Pour la diffusion, après, c'est compliqué, parce que, déjà, c'est compliqué sur les films, comment dire ça. La distribution aujourd'hui, elle est complexe. Et c'est sûr que le film, en fait, il a plutôt bien voyagé dans les festivals à l'étranger. En France, en fait, on l'a montré un peu, mais on n'a pas réussi à avoir un distributeur. Et surtout, c'est là où on s'est fait un peu griller, on va dire, par le producteur allemand qui a vendu les droits DVD avant qu'on ait trouvé un distributeur. Ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, puisque le DVD existant, c'est pas. Voilà, une sortie en salle était. Voilà. Donc il y a une chronologie des. Qui n'a pas fonctionné comme on aurait aimé avec Denis et Zach. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Non, c'était juste pour dire mon sentiment. Enfin, a priori, donc je ne connaissais pas du tout Denis Cooper. Du coup, je suis assez intrigué d'aller lire enfin, ce qu'elle peut écrire. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout un fan du fantastique. Je suis plutôt intéressé par les films, l'histoire réaliste. Je reste très bien. Mais je rejoins
je trouve effectivement qu'il y a ces éléments-là dans les histoires, mais la seule qui m'a véritablement accroché, c'est la première, qui me semblait assez riche de sens, de fond, qui suscite pas mal d'interrogations et qui a quand même un ancrage réaliste. Bon. Les autres, effectivement, comme ça dérive beaucoup vers le fantastique, ça m'a moins accroché et les dialogues devenaient très abscons. Enfin, je ne sais pas comment traduire abscons. Mais voilà. Donc, mais il y a quand même des trouvailles assez fascinantes, quand même, visuellement, même si elles sont un peu incompréhensibles. Ces scènes de blocos, avec la vidéosurveillance. Mais beaucoup de questions restent malheureusement sans réponse. C'était le but. D'autres sont témoignages vont peut-être se quitter bientôt. Voilà, mais en tout cas, une nouvelle fois, on était vraiment ravis d'accueillir Christophe Honoré et Dennis Cooper, de présenter ce film qui nous tenait vraiment à cœur, même si effectivement déjà sorti en vidéo, mais la preuve que beaucoup de gens étaient quand même motivés pour le découvrir dans des conditions de collection du cinéma. Voilà. Merci à vous. Merci.